Eh bien, salut à tous, c'est Kenji, on se retrouve pour une vidéo sur FTL Fast of Night. Et donc, on va continuer notre aventure et essayer d'aller le plus loin possible et peut-être même atteindre notre objectif qui est de buter le boss final. Donc, on va continuer. Ok, donc. Donc, notre équipage avec Kenji, Expandable, Junk, Remo, Matt, Ryan et William à bord du. Ça s'appelle comment? Le Baraput. À bord du Baraput. C'est important de préciser le nom du bassin. Est-ce que je change quelque chose? Merde. Donc, on va prendre ça. On va cliquer sur ça. Toi, on va te téléporter vers. Vers là, je dirais. Fini. On va essayer de buter son équipage le plus vite possible. Oh, ça c'est une roquette. Il a raté. Très bien, très bien, très bien. Allez, j'ai bientôt fini de le tuer. Très bien. Allez, c'est s'enfuir. Ouf. Ça, c'est moche, ça. On peut pas le bloquer. Ah, pleine gueule en plus. Non, jamais, c'est pas assez. Voilà, ils sont morts. Oh bah, j'aurais bien aimé un peu d'essence. Quoique j'en ai même assez d'essence. Ah bah. De toute façon, j'utilise pas de drone, donc je vois pas pourquoi ce jeu, je garderai. Ah. Je me disais que ce serait un peu trop facile. Ok, on va booter le bouclier. En plus, il y a un NJ, donc on va utiliser les roquettes. Quoique, non. Il n'y a pas besoin d'utiliser les roquettes, étant donné que il a un niveau 1. Ok, d'accord, il y a un NJ, mais les astéroïdes vont s'en servir pour nous. Hey, il a gagné un niveau. Très bien. Ça me plaît.
Et bon, quoi que sont mauvais. Allez. Et voilà. Oh, sympa. Juste un test. Juste un test. Est-ce que le feu peut se propager? Enfin, s'il y a personne d'abord, c'est ça que je pose. Tant pis. Allez, allez, allez. Aïe. Waouh, je crois que j'ai bien fait me barrer. Oh. Ouf. Voilà. Parfait. Le Mantis, je dirais. Ouais, le Mantis. Jensen. Ouais. Oh.
J'aime que ça sert un peu à rien en fait. Ouais, junk, allez, c'est parti. Ah, oh, ça la tue en fait. Bon, je me suis débarrassé de junk pour la simple et bonne raison, c'est que ce que j'ai besoin moi, c'est des personnes qui peuvent aborder les vaisseaux. Alors que là, bon, le junk, bon, même si c'est elle est utile, ce que j'ai besoin moi, c'est quelqu'un qui a un bon DPS. Et les mantis ont un bon DPS, donc voilà, je prends les mantis. Ce qui est, bon, ce qui est logique, hein. De toute façon, ça aurait fait pareil à ma place. Merde! Pas être bon ça! Et en plus, je suis dans un soleil. Oh, super. Parfait. Oh, va-t'en. Ah merde. La flotte rebelle m'a rattrapé. On va le faire, on va pas le faire, on peut le faire. On peut le faire. C'est super difficile, mais on peut le faire. Okay. Très bien, donc si je téléporte mes bonhommes... En fait, j'ai juste à attendre, juste à attendre. Allez, allez, vas-y, charge, 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 charge. Peut-être le déplacer, en fait, le mettre là. Allez, 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 allez. 3, 2, 1, go. Next secteur. Wouhou! On a eu la chance, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance. Ça sert à quelque chose, ça? Ah, ouais, je vois. Ça va pas grand chose. Ils vont cramer. Foutus insectes. J'ai eu envie de laisser cramer. Juste pour voir en fait. Juste pour voir si on... Oh non, c'est pas lance-missile. Ah, ils vont vraiment laisser cramer. Ah non, ça se propage, ça se propage. Ah, ils peuvent pas.
Oh oui, c'est génial. Oh, j'ai un nouveau membre. J'en veux pas, moi. Je veux pas, moi, d'un nouveau membre. J'ai bien mon équipage. Attends, le shield, shield. Expanda, expanda. Il va falloir se débarrasser de toi, hein. Attends, j'ai hâte, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, au revoir, et moi je te remplace. J'ai dit que je voulais améliorer un truc, je crois, mais je sais plus quoi. Peut-être ça, ouais. Parfait, je suis dans les temps. Très bien. Il est bon à quoi, lui? Les armes? Pff, pas trop besoin, en fait. Toi, tu fais quoi, toi? J'ai pas trop envie d'avoir un équipage totalement fait d'NJ, en fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que si t'as des mecs qui sont à bord, ils vont se faire massacrer. Les réparations sont doublées. Non, tu sais quoi, on va garder William et Ryan, on va les garder ensemble, allez, on va les garder. J'ai pas envie de me séparer de ces types-là, ils sont sympathiques, on va les garder. Très bien. Alors, ça va le faire. Attends, maintenant, on peut utiliser toutes nos armes à la fois, on peut utiliser toutes nos armes à la fois. Et ça doit être bon. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a récupéré quelque chose? Non. Non, non, donc on va pouvoir vendre. Pour avoir notre matos inutile et on va pouvoir partir à la zone suivante. Ouais. Donc je n'ai pas le camouflage, j'aurais bien aimé l'avoir, mais je l'aurais pas. Donc à la place on va se démerder. On va se démerder tout simplement parce que là je vois pas qu'est-ce que je pourrais acheter de toute façon. Je vais acheter ça, tiens. Ouais mais. Ouais, j'achète ça. Je pense que c'était une très très mauvaise idée. Oh putain. Ok. Donc. Toi. 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 4 armes quittées en même temps, c'est quand même pas mal. Oh, je me rends compte d'un truc, j'ai fait une connerie. La défense 2, ça vaut 3. Enfin, ça demande 3 points de. 3 points d'énergie. Aïe. Aïe 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 aïe, ça c'est moche. Ça c'est très très moche. Oh, j'ai fait une grosse bouboulette. J'ai fait une très très grosse boulette, j'ai même pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à ça, je suis totalement désolé. J'ai sûrement des mecs qui ont gueulé derrière. Mais t'as fait une connerie, t'as fait une connerie. Et oui, je l'ai fait la connerie, là je l'ai fait. Hein. Oh, finesse. Quelle grosse connerie en plus. C'est un beau tas de merde que je viens de faire. On va écouter combien de sang. Et là, il y a Yoko qui débarque et on voit un message qui me dit, tu sais qu'il y avait un troisième passage pour le boss. Et merde. Et merde. Ok, c'est bon. Je vais réparer ma connerie. Et on pourra partir. Last stand. Le dernier combat. Oh, le combat de boss. Après une heure. Bon, ça va, après 2 heures de jeu, ça sort plutôt bien. On arrive à la base de la fédération. Donc il dit, qu'est-ce que ça signifie? Qui êtes-vous? Explication, on dit un murmure de cynisme, de disbelief, un manque d'officiers. Le général Turzi, la Jean Brigade, parle. Les informations suggèrent un potentiel... contre la technologie rebelle,
Risquer le tout ou de gagner, sauver personne. Expliquer la faiblesse de la flotte ennemie. Le vaisseau amiral. Donc, le mec il répond, donc c'est décidé, les rebelles vont être ici dans un moment. Nous ferons ce que nous pourrons pour tenir leur vaisseau de guerre, mais vous devez réussir à détruire leur flagship, leur vaisseau capital. Votre cure. Votre. Ouais, donc en fait, il y a des stations qui peuvent nous réparer, nous ravitailler, et des stations de réparation pour nous. Ouais, ils peuvent nous aider tout simplement. Donc en fait donc ça voilà donc là c'est le combat de boss. Donc pour faire simple donc on a un Rebel Flagship. Donc c'est un gros vaisseau massif hein, donc qui est super enfin qui a d'énormes armes. Et le but c'est qu'en fait lui il doit détruire la base. Et nous on va faire bah c'est très simple. On va lui péter la gueule. Bon, à plus tard. C'est parti pour 12 heures d'attente. In-game, bien sûr.